Hello, 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 bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Merci à ceux qui nous rejoignent. Merci de partager le live. Merci de rejoindre ce live qui pour moi est très important. Il va falloir qu'on parle de rééquilibrage alimentaire. Il faut que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous pouvez réussir finalement votre rééquilibrage alimentaire. Je n'ai pas dit régime, j'ai dit rééquilibrage alimentaire. Donc, merci de partager le live, de me dire si on m'entend bien, et surtout vraiment de me dire si on m'entend bien, et de poser aussi vos questions, hein, si vous avez des questions, parce que c'est important aujourd'hui, depuis un bon moment, on fait des lives interactive si vous voulez, et ça me permet de vous aider davantage. Donc aujourd'hui, je vous parlerai du rééquilibrage alimentaire, parce qu'on entend beaucoup parler de rééquilibrage alimentaire, et comment est-ce que vous pouvez faire finalement pour réussir votre rééquilibrage alimentaire. Il faut rappeler ici que le rééquilibrage alimentaire est le moyen idéal pour une perte de poids sereine et durable. D'accord? Est le moyen le plus recommandé pour une perte de poids sereine et durable. D'accord? Donc, c'est très important de noter ça. Et donc, merci de partager le live. Merci de me signaler, de me dire un peu de quel côté vous me regardez. D'accord? De me dire de quel côté vous me regardez. Et puis, voilà, ça fait toujours du bien, hein, de dire un coucou aux personnes qui nous regardent. Donc, ça fait toujours du bien de faire un petit coucou. D'accord? Donc, c'est le moyen finalement qui va peut-être prendre un peu plus de temps en termes d'apport, en termes de résultats, parce que parfois on veut avoir très vite le résultat, mais c'est de loin le meilleur moyen que vous devez pouvoir utiliser. C'est un rééquilibrage alimentaire. Je n'ai pas parlé de régime. D'accord? Je n'ai pas parlé de régime. Et qui dit rééquilibrage alimentaire? Coucou Valérie, j'espère que tu vas bien. Merci de partager le live, partager dans les groupes, partager dans les statuts, partager dans les groupes WhatsApp, partager un peu pour aider un maximum de personnes. D'accord? Et signalez-vous un peu pour que je vous fasse à nouveau un gros coucou. N'hésitez pas de mettre des cœurs, de mettre des pouces pour rendre le live assez dynamique. D'accord? Aujourd'hui, c'est samedi, donc j'ai fait le live un tout petit peu plus tôt parce que hier, finalement, comme je vous disais, il y a ma fille qui a eu un petit choc, donc elle jouait dans la cour et elle s'est cognée le front. Elle a une petite bosse là, donc aujourd'hui, je vais arrêter beaucoup trop tôt. J'avais des consultations le matin, donc je vais rentrer un peu, rester avec elle. Voilà pourquoi je fais le live un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, quand je parle de rééquilibrage alimentaire, il faut intégrer que rééquilibrer son alimentation, c'est en quelque sorte réapprendre à bien manger en intégrant toutes les classes d'aliments. Toutes les classes d'aliments, je le dis bien, ça dit que rééquilibrer son alimentation, ce n'est pas choisir de manger une catégorie d'aliments et de laisser une autre catégorie. Et c'est malheureusement ce que les gens font. Dès que tu commences à enlever de ton alimentation une certaine catégorie d'aliments, tu entres dans ce qu'on appelle régime. Alors, je suis pas une adepte des régimes, je suis dans le rééquilibrage alimentaire parce que quand on apprend à rééquilibrer son alimentation, on est sûr d'aller sur quelque chose qui va finalement tenir sur du long terme, même si en termes de résultats, en termes de balance, ça ne va pas se faire aussi rapidement, parce que c'est bien normal, hein, le corps a besoin de temps pour écouter, pour écouter le message que tu lui envoies, intégrer le message et actionner le message. D'accord? Donc, il a le temps d'écouter le message, d'intégrer, de comprendre, décoder le message et ensuite apporter un résultat. Apporter un résultat. Et donc, dans le rééquilibrage alimentaire, c'est ça. C'est pour ça que beaucoup de nos collègues n'aiment pas beaucoup passer par le rééquilibrage alimentaire, même s'ils parlent du rééquilibrage alimentaire dans leurs différents programmes. Ils vont pas beaucoup passer par là parce que les gens qui arrivent dans les programmes ont besoin d'avoir rapidement des résultats. Et quand on parle de rééquilibrage alimentaire, on n'est pas axé résultat, on est axé santé en général. On n'est pas axé résultat sur la balance. Je m'explique bien. Ça dit que une personne qui veut faire un rééquilibrage alimentaire ne doit pas être de la catégorie des personnes qui arrivent avec l'idée de perdre des kilos. On arrive avec l'idée de retravailler, de restaurer sa santé. D'accord? On ne vient pas avec. Et maintenant, c'est en restaurant la santé qu'on va arriver à perdre des kilos. Il faut vraiment qu'on se comprenne.
Il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec l'idée de perdre des kilos et qui vont se lancer dans des régimes et on va leur demander d'enlever, d'annuler par exemple une catégorie d'aliments. Oh là là, il ne faut pas consommer de glucides, il ne faut pas consommer de lipides, non, ne consomme plus d'huile, ne consomme plus ça. Donc, autant de choses qu'on va te demander d'enlever de ton alimentation, et là, de plein pied, tu es en train d'entrer dans ce qu'on appelle un régime. Tu es en train d'entrer dans quelque chose qui va te t'amener à ne pas t'alimenter comme tu aurais aimé. D'accord? D'accord, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, quand on va parler aujourd'hui de rééquilibrage alimentaire, c'est d'amener toutes les personnes qui ont envie de restaurer leur santé à opter pour ça. D'accord? Aujourd'hui, on est friand de vite faire, de vite perdre, mais il est important de comprendre que si tu viens avec l'idée de retrouver ta santé, de restaurer ta santé, tu es très bien parti pour réussir un rééquilibrage alimentaire parce que quand tu vas essayer de restaurer ta santé, tu vas revoir tes habitudes alimentaires, tu vas recommencer à manger sainement et ça va se répercuter sur ta surcharge pondérale, sur le niveau de ta mauvaise graisse et du coup, tu vas perdre le poids. Donc, la recherche d'une bonne santé va t'aider à perdre du poids. Ce n'est pas la recherche d'une perte de poids qui va t'aider à avoir une bonne santé. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire. Toi qui aujourd'hui assises quelque part, tu m'écoutes et tu te dis dans ta tête, moi ce que je veux c'est enlever 20 kilos, moi ce que je veux c'est enlever 30 kilos. Je veux que tu ne réfléchisses plus dans ce sens-là, mais que tu ailles regarder en toi, qu'est-ce qui te gêne tant avec ces kilos, quelle est la santé, quelle est cette partie de ton, quel est cet état de santé que tu n'as plus, est-ce que c'est parce que tu ne respires plus bien, est-ce que c'est parce que tu ronfles déjà énormément, est-ce que c'est parce que tu as des douleurs articulaires, est-ce que tu as, c'est parce que tu fais déjà du diabète, est-ce que c'est parce que tu es hyper tendue, est-ce que c'est parce que tu te sens lourde, tu as des problèmes de voilà, est-ce que tu as tous ces mots-là, tu peux en avoir deux, trois en même temps. Si c'est ça, bah, tu te focalises dessus en te disant, moi, je dois travailler mon alimentation pour que dans 2 mois, dans 3 mois, que je ne souffre plus des ronflements, que je ne souffre plus de douleurs articulaires, que je ne souffre plus de l'arthrose, que je ne souffre plus d'années de sommeil, que je ne souffre plus de ronflements, de douleurs, voilà, que je puisse stabiliser mon diabète. Tu vois, il faut plutôt aller dans ce sens-là. Et quand tu seras focus pour ne plus ronfler, pour te sentir plus légère, pour pouvoir mieux te mouvoir, ne plus avoir de douleurs, tu vas oublier le poids. Donc, tu vas aller équilibrer ton alimentation et sans t'en rendre compte, tu seras en train de perdre du poids. Parce que quand tu vas dans le sens où tu veux retrouver ta santé, tu veux restaurer une santé, tu es à l'écoute de cette santé. D'accord? Si c'est que tu ronfles beaucoup et que tu as envie de ne plus beaucoup ronfler, tu seras plus à l'écoute du ronflement. En te demandant, est-ce que j'ai ronflé aujourd'hui? Est-ce que j'ai beaucoup ronflé? Est-ce que j'ai... Et puis, on va te dire, non, finalement, aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup ronflé. Même si sur la balance, tu n'as pas perdu des kilos, tu serais en train d'avoir des résultats parce que tu peux finir avec tes ronflements sans toutefois perdre des kilos sur la balance. Pourquoi? Parce que si au niveau de ton cœur, si au niveau de tes organes, ton cœur, ton poumon, il y a comme une petite surcharge de graisse, c'est-à-dire que tu as peut-être 1 kilo de graisse et j'aimerais vraiment vous amener à visualiser ce que peut représenter 1 kilo de graisse, d'accord? Essayez de visualiser. Essayez même d'aller au marché. Allez chez les gars qui les bouchers. Allez chez les gars qui manipulent de la graisse. Essayez de prendre un peu, de peser 1 kilo de graisse pour voir un peu ce que ça représente. Physiquement, c'est énorme. Mais sur la balance, ça représente 1 kilo et on a parfois tendance à négliger. Parce que si tu as une charge d'1 kilo de graisse autour de ton cœur, tu ne peux pas respirer normalement. Tu vas t'étouffer. Je sais même pas comment tu peux vivre avec ça. D'accord? Toute une charge de graisse localisée au niveau de tes poumons, de ton cœur. Tu sais, c'est 1 kilo. Ça n'a l'air de rien. D'accord? Mais, quand tu entends que j'ai perdu 1 kilo, tu as envie de dire, waouh, seulement 1 kilo. Mais si tu vois là où ce kilo était localisé et tu vois ce que représente 1 kilo dans ta main et que c'était, tu imagines que c'était posé au niveau de ton cœur pour t'empêcher de respirer normalement, tu comprends que tu as fait un travail énorme en enlevant ces 1 kilo là à ce niveau.
niveau-là. Donc, quand tu vas recommencer à respirer normalement, quand tu vas recommencer à dormir normalement, tu serais en train de, tu aurais, le résultat serait là, tu aurais enlevé ces 1 kilo-là au niveau de ton cœur. Donc, avant de, il faut comprendre que pour avoir un très bon résultat en termes de rééquilibrage alimentaire, il faut être connecté à sa santé qu'on veut améliorer. Ne pas être connecté aux kilos qu'on veut enlever. D'accord? C'est très important que je vous dise ça. Parce que quand on est focus kilo, on fait beaucoup de bêtises. On fait beaucoup de bêtises. Mais quand on est focus santé, tu vas te rendre compte qu'au bout de 10 semaines, tu te sens beaucoup trop légère. Tu te sens à l'aise, tu bouges normalement, tu as beaucoup plus d'énergie, tu te sens bien dans ton corps, tu dors normalement, toi qui avais du mal à dormir, tu dors normalement. Tu vois, tu comprends à ce moment-là que tu es en train de te soigner, tu es en train de gagner en santé. Ça te donne le punch, ça te donne le courage, ça te donne l'envie d'aller beaucoup plus loin. Même si sur la balance, tu réalises que tu as perdu 2 kilos seulement ou tu réalises que tu as perdu 1 kilo seulement. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. D'accord? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on a déjà partagé le live, les amis? Je vous ai dit, la page est très restreinte. Je me suis donné pour devoir de vous sensibiliser, de vous transmettre une bonne partie de ce que je connais pour vous aider à aller beaucoup plus loin. Parce que beaucoup de personnes ont la volonté de retrouver leur silhouette. Beaucoup de personnes ont véritablement envie d'avoir un très bon résultat, mais les personnes sont ignorantes du processus à mettre en place pour avoir ces résultats de façon sereine. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui est disponible sur les réseaux sociaux, on peut très bien arriver à se tromper, on peut très bien arriver à passer à côté de la vérité et se mêler les pinceaux. Voilà pourquoi je donne libre arbitre à tout un chacun d'écouter ce que je dis, de voir la pertinence de ce que je dis, d'analyser, parce que le bon sens est la chose la mieux partagée, d'analyser et de se dire, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Parce que moi, j'aurais pu venir aussi avec un discours du genre, je vais vous amener à perdre 10 kilos en une semaine, en deux semaines, parce que je sais comment je peux y arriver. Mais je sais aussi ce que ça peut créer derrière comme effet secondaire. Je sais aussi ce que ça peut causer après comme effet yo-yo, comme tout le monde le sait. Je sais tout ce que ça peut découler, tout ce qui peut se découler de ça. D'accord? Donc, je ne viendrai pas, malheureusement, tenir ce discours. Je viendrai t'interpeller. Je viendrai t'appeler à ce que tu prennes conscience que tu as une responsabilité envers toi-même. Tu as la responsabilité de préserver ta santé. Tes enfants qui sont là ont besoin de te voir, de t'avoir auprès de beaucoup plus longtemps. Donc, tu as la responsabilité de préserver ta santé. Et quand on va avec quelque chose qu'on veut, qu'on veut être durable, être vraiment, être sain et durable, on se prépare pour un certain niveau de travail et de patience. D'accord? Donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez, à chaque fois que vous m'entendez parler, faire mes lives, que vous ne soyez pas focus en disant, oh là là, moi, je venais parce que je voulais rapidement enlever 10 kilos en une semaine, mais là, je sens que ça va être, je vais devoir voir mes objectifs sur une semaine là pour peut-être 3 semaines ou 1 mois et que cela vous pose un problème. Non. Parce qu'au moins, on est sûr que le 1 kilo que vous perdez, c'est 1 kilo qui part et vraiment pour ne plus revenir. Excusez-moi. Allô, Judith? Bonjour, bonjour. Ça va, ma belle? Oui. Non. Quoi? Oui, regarde, ce qu'on va faire, hein, je voulais même t'appeler pour te dire de ne pas m'envoyer l'argent. Ne m'envoie pas encore l'argent. Voilà, il faut garder l'argent en Côte d'Ivoire.
excusez-moi, c'est la représentante de Côte d'Ivoire. Il faut garder l'argent là-bas parce qu'on a le... Je suis en live, c'est pour ça que j'ai dit excusez-moi. Donc, on a le graphiste, on a les séances de travail, tu sais, on est en train de faire les choses, installer les trucs en Côte d'Ivoire. Donc, l'argent là va rester là-bas pour gérer les petits les travaux qu'on a envie de faire là-bas. D'accord. Donc, ça tombe bien. Heureusement que tu m'appelles parce que tu devais m'envoyer l'argent et je devais encore réenvoyer là-bas. Oui. Heureusement. Non. Laisse ça là-bas parce qu'on a besoin des sous sur place pour pour les activités qu'on veut faire sur place. Donc, merci beaucoup. D'accord. Donc, à tout à l'heure. OK. Pardon, c'est un peu ça. Il y a la belle Salma qui est là, qui dit « Bonjour madame, tu m'as manqué, la belle, tu m'as beaucoup manqué toi aussi. Je suis très heureuse de te revoir dans le live. Je suis très heureuse de savoir que tu es là. Merci de partager le live. Les amis, merci de partager le live. C'est le seul moyen que vous pouvez utiliser pour m'aider, pour m'aider à édifier des milliers de personnes à travers le monde. C'est la seule chose que vous pouvez faire et c'est gratuit. D'accord? Et c'est gratuit. Merci de partager le live. Donc, je disais, je vous aime beaucoup et je vous invite à prendre sur vous d'opter pour un rééquilibrage alimentaire qui va peut-être s'étendre un peu sur une durée relativement longue, mais qui va être très bénéfique pour votre santé, qui va restaurer votre santé, qui va redynamiser vos organes, qui va vous remettre au taquet, d'accord? Donc, c'est ça, je vous disais, rééquilibrage alimentaire. Prenez la peine d'intégrer toutes les classes d'aliments dans votre alimentation. Ne vous frustrez pas, n'entrez pas dans la logique de que je ne veux pas de protéines, je ne veux pas de lipides, je ne veux pas de glucides. Au fait, ce que vous ignorez, c'est que, et ça c'est très important que je revienne là-dessus, c'est qu'il est très difficile d'être de se lancer dans une course à un rééquilibrage alimentaire journalier ou ponctuel. D'accord? Excusez-moi. Allô? OK. OK. Tu peux, c'est quel poisson? Je vais rappeler. Donc, prenez la peine d'intégrer que quand on passe souvent de rééquilibrage alimentaire, les gens ont envie que, comme aujourd'hui c'est samedi, je dois tout faire pour rééquilibrer mon alimentation de ce samedi. Je dois prendre mon plat de nourriture et dans mon plat, je me rassurais d'avoir mes 30%, mes 12 à 15% de protéines, je dois avoir mes 50% de glucides, je dois avoir mes 30% de lipides, de bonne graisse. On a envie d'avoir, on a envie de faire ça dans tous les plats, mais ça marche pas. Ça marche pas. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas décrypter vos calories aux calories près dans chaque plat. Ça va devenir paranoïaque. Ça va devenir difficile à vivre. Ça va devenir un fardeau. Et donc, on vous fait un rééquilibrage alimentaire sur la semaine. Sur la semaine, tu sais qu'il faut comprendre que globalement, pour être bien, ton organisme a besoin en général. Et donc, ça peut être fait sur un seul repas, mais il faut comprendre que on peut l'étaler sur la semaine. Te dire que dans la semaine, tu as besoin de te donner, d'apporter à ton organisme environ 12 à 15% de protéines. Ça, c'est quelque chose que tu peux choisir de faire. 12 à 15% de protéines. Tu as besoin sur la semaine d'apporter à ton organisme environ, et ça, ce sont des chiffres que c'est l'intervalle qui est recommandé. Tu dois besoin d'apporter à ton organisme 50 à 55 5% de glucides sur la semaine. Sur la semaine, tu peux t'apporter ça. Et ensuite, tu as besoin sur la même semaine, ça se fait, c'est les pourcentages de la journée, hein, mais en étalant sur la semaine, ça revient à la même chose. C'est-à-dire que si tu prends 10% le lundi, 10% le mardi, ça représente jusqu'à dimanche, ça représente aussi 10% sur la semaine. Il faut qu'on se comprenne très bien. Est-ce qu'on se comprend? Peut-être qu'il fallait que je fasse ça en cours, hein, pour que vous compreniez bien. Généralement, en masterclass, je prends la peine de le noter pour que les gens voient vraiment le chemin parce que la visualisation est très importante.
N'oubliez pas de prendre votre place pour la masterclass de vendredi prochain où on va vous apprendre à maigrir sainement. Ça sera vraiment pour ceux qui auront pris leur place, maigrir sainement. D'accord? Donc, si tu es là et que tu souhaites comprendre pourquoi tu n'arrives plus à perdre du poids et que tu souhaites maigrir sainement, il y a le lien dans la description de la vidéo. Tu cliques sur le lien, tu prends ta place. C'est 16 livres en ligne et on aura la séance de travail vendredi. Nombre de places très limité parce qu'on va aller en profondeur avec les participants pour leur donner les clés pour retrouver leur silhouette, mais sereinement, tout en préservant leur santé. C'était une toute petite parenthèse. D'accord? Donc, je disais, tu as besoin d'avoir entre 12 et 15% de protéines tout au long de la semaine. Tu as besoin d'avoir entre 50 et 55% de glucides tout au long de la semaine. Tu as besoin d'avoir entre 30 et 35% de lipides tout au long de la semaine. Tu as tous les éléments. Ensuite, après ça, tu as besoin d'avoir une dose qu'on ne peut pas forcément quantifier parce que c'est des choses qui vont pas t'apporter trop de problèmes. Ça va plutôt te nettoyer les fruits et les légumes dont tu vas avoir une dose de fruits et légumes, une dose de fibres que tu peux incorporer comme ça dans ton alimentation. D'accord? C'est très important. Quand on va te parler de protéines, tu comprends que il y a les protéines animales, il y a les protéines végétales. Moi, je commande beaucoup les protéines végétales parce que dans les protéines végétales, tu vas avoir les légumineuses, tu vas avoir les pois chiches, tu vas avoir les lentilles, tu vas avoir le haricot, tu vas avoir... Voilà, c'est des protéines végétales que tu peux intégrer dans la semaine et te dire, moi, en tout cas, j'intégrerai lundi, je vais manger mes protéines, bien doser mes protéines, mardi, je vais bien doser, je vais... Voilà, tu étales ça sur la semaine. Ou alors lundi et jeudi, je suis dans mes protéines, je suis dans mes lentilles ou alors je suis dans mon haricot vert, mon haricot rouge, mon haricot blanc, le pois chiche. Tu as besoin de t'étaler ça sur cette semaine-là. Je te dis le lundi ou le vendredi, je peux me donner ma dose de protéines de la semaine. D'accord? Et tu sais également que tu vas avoir les protéines animales dans la viande, tu vas avoir dans le poisson, tu vas avoir dans les œufs. Donc, tu peux toi-même te dire, OK, est-ce que je peux concentrer ma quantité de protéines dont j'ai besoin sur la semaine dans les œufs? Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup les œufs, tu te dis, OK, chaque matin, je déjeune avec les œufs, donc je vais concentrer une dose de protéines dans les œufs et donc je vais un peu lever le pied en ce qui concerne la surcharge de protéines sur les autres aliments que je vais consommer dans la semaine. C'est un choix, d'accord? Donc, c'est vraiment de se dire ça, mais ne pas être lâche, prendre une calculatrice pour calculer, oh là là, j'ai consommé tel nombre d'œufs, ça fait combien de... Non, on est vraiment dans ça parce que il faut pas entrer dans ça, ça va vous donner trop de fil à retordre et vous n'allez pas tenir sur la durée. D'accord? Eh bien, vous allez vous dire aussi, en ce qui concerne les glucides, il me faut 50 à 55%. Moi, ce que je vous recommande, c'est peut-être de vous dire, je vais juste en catégorie de glucides, je vais éviter de me lancer trop sur un niveau, je vais éviter de me lancer beaucoup sur des glucides qui ont un indice glycémique très élevé. Parce que là, à ce moment-là, on évite d'aller provoquer nos hormones. Ça, c'est vraiment ça. En fait, ce n'est pas que c'est tant un problème, mais ça peut stimuler la production de certaines hormones qui ne vont pas malheureusement nous aider. OK? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous sommes toujours ensemble, les amis? Merci à la personne qui vient de prendre son programme personnalisé. Vous avez entendu comment ça sonnait. Je te rappelle juste après, ma chérie, pour te donner les détails pour le programme. Donc, c'est très important aujourd'hui d'intégrer tous ces éléments-là, de se dire, OK, j'ai besoin de prendre 50 à 55% de glucides sur la semaine. Et donc, je te dis, où est-ce que je vais concentrer mes glucides? Tu vas avoir les féculents, vous savez? C'est pour ça que certaines personnes, quand ils se lancent dans des programmes, ils disent qu'ils ne veulent pas manger de féculents. Oh, c'est trop d'amidon. Oh, c'est trop de ceci. Oh, le féculent a un pouvoir rassasiant qui te permet, toi qui essaies de perdre du poids, à ne pas être tout le temps en train de manger. Tout le temps en train de grignoter. Parce que chaque repas que tu prends, sans avoir un féculent qui, comme on dit souvent au village, qui t'attache les intestins, qui te donne de pouvoir te sentir rassasié,
tu vas voir que tu seras un peu dans le besoin de manger un tout petit peu très souvent. D'accord? Donc, le féculent a une place importante, c'est que ça, ça peut-être de l'amidon, tout ce qui va avec, mais tu peux toujours rajouter ça dans ton alimentation pour amener ton pour que tu puisses être pour activer rapidement ta sensation de satiété et ne pas être trop demandant d'aliments et manger trop souvent. Est-ce qu'on envoie les cœurs? Est-ce qu'on me laisse un coucou ou pas? Dites-moi si on est toujours ensemble. Dites-moi si on est toujours ensemble. D'accord? Dites-moi si on est toujours ensemble. Nous sommes ensemble ou pas? Est-ce qu'on a partagé le live? Est-ce qu'on a envoyé les cœurs pour rendre le live dynamique? Nous sommes samedi, on n'est pas assez nombreux. Un live comme celui-ci a besoin d'être écouté. A besoin d'être écouté parce que, voilà. Partageons le live, s'il vous plaît. Ce serait gentil vraiment pour toutes les personnes qui vont le faire. Et n'hésitez pas de me dire de quel côté vous me regardez. Ça fait toujours plaisir de faire un coucou à la communauté du côté où vous vous trouvez. D'accord? Ok, les amis, je parlais également de les lipides. Maintenant, vous avez besoin de 30 à 35% de lipides dans la semaine. C'est-à-dire que ceux qui disent que je vais perdre le poids, mais je ne vais pas manger d'huile, je ne vais pas de gras, il faut savoir qu'il y a de très bons gras, d'accord? Il faut juste choisir son type de gras, d'accord? Moi, je vais vous dire, restez un peu sur tout ce qui est graisse végétale, un peu plus que la graisse animale. Donc, je vais te conseiller de te retourner un peu plus pour sur les huiles végétales qui sont relativement moins dangereuses pour ton organisme que du beurre, voilà, que du beurre par exemple. Donc, tu vas peut-être ralentir un peu sur ta consommation de beurre, mais tu as besoin de 30 à 35% d'huile, de matière grasse, en fait, de matière grasse dans ton alimentation dans la semaine. J'aimerais rappeler ici que quand vous prenez parfois la matière grasse, ce n'est pas seulement avoir ça sous forme d'huile. Vous voyez, quand vous prenez du chocolat, il y a du gras à l'intérieur. Quand vous grignotez des arachides, il y a du gras à l'intérieur. Donc, ce n'est pas que des huiles. Quand vous voyez, ça se matérialise pas que en huile, en une cuillère d'huile. Ce n'est pas que ça qui représente le gras que vous consommez. Donc, vous comprenez que si vous êtes friande de ces petits trucs-là, vous allez peut-être réduire votre consommation d'huile. Par contre, réduire, c'est déjà bien. Mais savoir à quel moment incorporer l'huile dans votre alimentation, c'est beaucoup mieux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font frire, qui réchauffent beaucoup leur huile. Je rappelle ici là qu'une huile qui est très chauffée développe des cellules cancérogènes. D'accord? Une huile qui est très chauffée va aller développer des cellules cancérogènes. Donc, à la limite, prenez votre huile à froid, vraiment, ou alors mettez ça en fin de cuisson. Ce serait vraiment bénéfique. Coucou Vicky qui nous suit depuis Londres. Un coucou particulier à la communauté de Londres. J'espère que vous allez bien. Merci de nous suivre ici. Mais comment est-ce qu'on peut réussir finalement son rééquilibrage alimentaire? Est-ce qu'on a partagé le live, les amis? Partageons le live, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on fait pour réussir? Comment est-ce que tu vas faire pour réussir ton rééquilibrage alimentaire? Eh bien, attends, je vais voir si vous m'envoyez les cœurs ou pas, parce qu'avec l'ordinateur, je ne peux pas voir. Hein. Vous savez, je me nourris des cœurs pour donner davantage. Quand il y en a, je suis davantage, mon génie intérieur s'exprime mieux, d'accord? Mais qu'il n'y en a pas, je suis malheureusement pas, je ne me sens pas trop en forme pour vous donner davantage. Malheureusement, c'est ça, parce que c'est la seule chose que vous pouvez essayer de me donner. Mais si je ne reçois pas ça, je parle. Mon génie ne s'exprime pas beaucoup. D'accord? C'est ça, malheureusement. Nous tous, nous avons nos problèmes alimentaires. OK? Là, je suis avec mon téléphone. Vous voyez vous-même comment il n'y a aucun cœur. C'est pour ça que je ne ressens pas les vibrations tout à l'heure. Les amis, mettez les cœurs, nous sommes samedi. Je vais vous envoyer la photo de ma fille qui a le front comme ça, que j'ai laissé pour être là avec vous. Donc, pour moi, c'est un sacrifice. Et comme le programme de la semaine était déjà bien ficelé, on va sortir par là pour que la semaine prochaine, on reparte sur un autre programme tout aussi enrichissant que celui de cette semaine.
Mais voilà, encouragez-moi quand même. Merci, merci d'envoyer les cœurs. Vous voyez comment quand ça monte là, ça donne envie. Ça donne envie, d'accord? Alors, certaines personnes vont dire pourquoi elles demandent les cœurs? Parce que c'est ça qui me nourrit. Je ne vous ai pas demandé l'argent, hein, d'accord? Je vous ai demandé les cœurs et c'est gratuit. D'accord? C'est ça, c'est gratuit. Est-ce que nous sommes ensemble alors? Au moins dites-moi si nous sommes ensemble. Quand je dis est-ce que nous sommes ensemble, vous ne mettez même pas oui, ok ou bien un truc en commentaire. Dites-moi si nous sommes ensemble parce que je vois quand même qu'il y a des gens qui sont connectés. Ce n'est qu'avec les commentaires que je peux être sûre qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc dites-moi si on est ensemble. Est-ce que nous sommes ensemble, les queens? Est-ce que nous sommes ensemble? On a dit non au gros ventre, maigris sainement. Ça, c'est avec Ibébio. Merci, cœur de Marie, pour le oui. C'est gentil, vraiment. Ça fait chaud au cœur. Alors, ça fait chaud au cœur. Cœur de Marie, je suis contente de t'avoir dans le live. Voilà. Très contente de t'avoir dans le live. Et donc, on a Zéna qui dit oui. Voilà, super. Merci. Voilà, vos messages, ça encourage aussi à travailler. Hein. Vous savez, tout le monde a besoin d'énergie pour avancer, d'accord? Donc, si je dois faire une pause pour demander que vous me redonnez de l'énergie, pour moi, en tout cas, c'est nécessaire pour vous donner davantage. OK? Donc, continuez à envoyer les cœurs pour rendre le live dynamique. Ce serait vraiment top. Comme ça, je vais poursuivre le travail. Alors, comment réussir son rééquilibrage alimentaire? La première chose, et je pense que c'est la chose la plus importante, c'est d'identifier ses péchés mignons. D'accord? C'est important aujourd'hui de réaliser que ce sont tes péchés mignons, ce sont tes petits écarts, ce sont tes petits trucs, ton petit désordre que tu fais et que tu es conscient que ça ne t'aide pas, qui va t'empêcher finalement d'avoir un certain niveau de résultat. OK? Donc, identifie ton péché mignon, par exemple. Si par exemple, tu as une personne qui n'est pas, et puis c'est pas, on n'est pas en train de juger les gens ici, hein, donc on est vraiment dans quelque chose d'assez transparent, tout le monde est un peu libre de choisir ce qu'elle aime faire ou pas. Donc si tu es quelqu'un qui n'aime pas cuisiner par exemple, qui va aimer facilement prendre les emportés, prendre les repas emportés, prendre les choses un peu rapide food, un peu partout parce que tu n'as pas envie de cuisiner, tu n'aimes pas cuisiner ou alors, eh bien, tu sais que ça, c'est ton péché. Ça, c'est ton péché mignon. Tu sais que ça, c'est ton problème. C'est là où tu as un vice. Et donc, tu l'identifies déjà. Hein, voilà, tu l'identifies déjà, tu dis, moi en tout cas, je sais que mon gros problème, c'est que je n'aime pas cuisiner et que je mange un peu ce que je trouve, quand je trouve, je mange comme je peux. D'accord? Ça, c'est déjà un grand pas de pouvoir l'identifier. Il y a des personnes qui sont addictes au sucre, qui vont être addictes au sucre, qui vont être aimer beaucoup de soda, beaucoup de coca, beaucoup de sprite, beaucoup de boissons gazeuses, beaucoup d'alcool. Il faut déjà peut-être identifier, te dire, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que mon problème, c'est que j'aime beaucoup les jus, j'aime beaucoup trop sucré, j'aime trop manger tout ce qui est boîte de conserve, j'aime moi tout ce qui est. Il faut déjà l'identifier. Et mettre un doigt là-dessus, parce que c'est très important, c'est une étape très importante pour pouvoir réussir son rééquilibrage alimentaire. Il y a une autre personne qui va te dire, moi en tout cas, c'est les grignotages. J'aime grignoter, donc je suis tout le temps en train de prendre un biscuit, je suis en train de prendre un chocolat, je suis en train de... On n'a pas dit que tu étais en train de tuer quelqu'un quand tu faisais ça, non, ça n'a rien à voir. Mais tu prends quand même conscience que... Toi, tu sais très bien que toi, ton gros problème finalement, c'est que tu as toujours des bonbons dans ton sac, tu as toujours des biscuits dans ton sac, tu as toujours des chips dans ton sac, tu as toujours un chocolat dans ton sac. C'est ton gros problème et malheureusement, c'est ça qui justifie le fait que jusqu'ici, voilà, cœur de Marie, moi, mon cas, je suis addict au sucre. Ouais, je crois qu'on a déjà eu une discussion, vous et moi, cœur de Marie, et comme vous le savez, on va travailler là-dessus. Donc, j'attends juste que vous puissiez vous préparer, être bien prête pour qu'on puisse travailler. Donc, ça devrait se faire. Là, on a déjà identifié, entre guillemets, un tout petit peu la cause. Donc, il serait beaucoup plus facile de jouer sur la cause sans créer de frustration et déclencher une perte de poids beaucoup plus rapide. D'accord? C'est très important. Okay? Toi, ton péché mignon, c'est peut-être, comme je dis, grignotage. Je vais prendre ci, je vais prendre ça. Ok? Tu identifies déjà. Ouh, la batterie est faible. Tu identifies déjà ton péché mignon. Ok? Tu identifies déjà ton péché mignon. Et ça, c'est la première étape déjà qui est validée.
Donc, c'est ça. Merci pour les cœurs, les amis. C'est vraiment très gentil. Donc, la première étape étant validée, ok, tu vas maintenant après, la, pour d'autres personnes, c'est vraiment des personnes qui ne prennent pas le temps pour manger. Je vous ai dit ici plusieurs fois que ce n'est pas ce qu'on mange qui nous nourrit, mais c'est ce qu'on digère. D'accord? Ce n'est pas ce qu'on mange qui nous nourrit, mais c'est ce qu'on digère qui nous nourrit. Et notre digestion dépend à 90% ou alors à je dirais même, même à 99% de notre façon de nous alimenter. D'accord? Donc, si tu es quelqu'un qui ne prend pas le temps de mâcher normalement, de se poser pour manger, si tu es quelqu'un qui mange entre deux bus, entre deux trains, entre deux boulots, entre deux métros, entre, voilà, si tu es quelqu'un qui mange debout, qui n'arrive pas à se poser pour manger, il y a de fortes chances que tu en manges beaucoup plus que tu en as, qu'il n'en faut. D'accord? Parce que tu ne manges pas en pleine conscience. Tu ne manges pas en pleine conscience. Tu n'as même pas la possibilité d'apprécier le trop de ce que tu manges. D'accord? Donc, si tu es quelqu'un qui est dans ce truc-là, l'idée, c'est d'identifier et de dire, bon, moi, ce que je sais, c'est que je ne me pose pas vraiment pour manger. Je mange toujours la tête en l'air. Je mange toujours en train de bosser. Je mange toujours en train de courir. Voilà, je ne prends pas le temps de bien mâcher, de bien mastiquer, de bien manger pour faciliter la tâche à mon organisme. Je ne prends pas le temps de le faire. Bah, du coup, une fois que tu as identifié ça, ce serait plus facile de jouer là-dessus. Parce qu'une personne qui arrive avec cette problématique, moi, je vais pas lui donner une solution, la même solution qu'une personne qui arrive avec un souci lié à l'excès de sucreries, à l'excès de grignotage, par exemple. Je ne vais pas lui donner la même solution qu'un quelqu'un qui arrive avec les difficultés de se faire elle-même son propre repas, d'accord? Donc, on est vraiment dans ça où tu te dis, ok, moi, nous sommes tous différents, hein? Donc, mon péché mignon n'est pas forcément ton péché mignon. Donc, à toi maintenant d'identifier lequel te parle beaucoup. Il faut comprendre qu'on peut avoir, parmi ce que j'ai cité, tu peux avoir 3 ou 4 péchés mignons. Donc, tu peux être quelqu'un qui n'aime pas beaucoup cuisiner et finalement, tu aimes manger les rapid food et tes rapid food doivent être des trucs sucrés. Ça veut dire que là, tu n'aimes pas cuisiner, mais tu cumules aussi trop de sucré, d'accord? Tu peux être quelqu'un qui, voilà, qui va aussi beaucoup grignoter. Tu peux avoir les 3 en même temps, mais tu peux être tranquille hein, parce qu'en travaillant sur un, tu peux résoudre les autres en même temps. Donc, par ricochet, tu peux arriver à gérer aussi de façon naturelle les autres éléments. Ok? Si je prends même par exemple l'exemple juste que tu n'aimes pas cuisiner et qu'aujourd'hui, on trouve des alternatives pour que tu puisses manger un repas qui est cuisiné normalement. Je comprends qu'en cuisinant, on ne va pas te mettre autant de sucre que si tu mangeais, je veux dire, si tu restais dans tes rapid food. En cuisinant, tu vas plus, donc tu vas résoudre et ton problème de que tu n'aimes pas cuisiner et tu vas également résoudre ton problème d'aller faire recours à tous ces éléments sucrés au quotidien. D'accord? Donc, voilà pour ça. Et du coup, je disais, si tu n'as pas... si tu n'as peut-être pas le temps. Après, est-ce que quelqu'un parmi nous, parce que là, il y a Cœur de Marie qui a dit, c'est mon cas, je suis addict au sucre. Toi qui me regardes actuellement, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi ton truc, ce truc que tu fais, mais que tu es consciente qu'il va falloir que tu travailles dessus? C'est quoi? Je vous donne quelques minutes pour répondre. Je veux que le live soit interactif, hein, parce qu'au final, c'est pas, le tout, ce n'est pas que je vienne juste parler, d'accord? Parce que après, il faut, une fois que tu connais ton péché mignon, tu connais ton truc qui t'empêche d'avancer, maintenant tu peux jouer dessus et avoir comme une chose, comme une sorte de tableau de bord qui te permet de bien gérer les choses et de ne plus sombrer plus facilement. Dites-moi un peu, quel est votre péché mignon? Alors, qu'est-ce que vous pensez d'après vous actuellement que ça peut être la cause de votre prise de poids? J'attends que vous puissiez me répondre. Hein. Laissez-moi ça en commentaire. C'est vrai que ça prend un petit décalage, le temps que vous écrivez et le temps que je lise. Alors, il y a Elodie qui dit, je consomme beaucoup. Vous consommez beaucoup quoi, Elodie? Cœur de Marie qui dit, manger lourd tard le soir. Voilà, voilà encore, tu manges sucré et tu manges lourd tard le soir. Donc, tu vois, ça c'est 2 vices qu'on doit pouvoir travailler, ma chérie. D'accord? Dites-moi alors,
Elodie, tu consommes beaucoup quoi? Tu as écrit, je consomme beaucoup quoi? Dis-moi, tu consommes beaucoup quoi? Qu'est-ce que tu consommes beaucoup? Qu'est-ce que vous consommez beaucoup, les amis? Qu'est-ce que vous consommez beaucoup? Je vous ai dit, le live ne va pas être long, hein, c'est parce que je veux respecter ma parole, parce que je tiens beaucoup à ma parole. J'aime bien. J'ai votre fille là qui m'a sorti une carte. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez la bosse là? Vous voyez là? J'ai besoin d'être avec elle. J'ai besoin d'aller la chouchouter. Hier soir en live, quand j'étais en live, on m'a dit qu'elle a eu son short là. Voilà le short. Voilà votre fille là. Elle a eu un très gros short sur le front, comme vous voyez là. Donc elle a besoin d'attention aussi, finalement. Donc je vais devoir aller un peu plus tôt. Est-ce que vous êtes là ou pas? Donc c'était un live vite fait. Donc je disais, jouer sur les mauvaises habitudes. Donc si tu es quelqu'un qui n'aime pas beaucoup cuisiner, essaye de voilà, je souhaite un prompt rétablissement à votre. Merci beaucoup, c'est gentil, cœur de Marie. Ça va aller, ça va beaucoup mieux, hein. Parce que hier soir, quand je suis arrivée, bah, elle avait un truc là qui prenait tout le fond, quoi. Ça va beaucoup mieux. Donc, merci. D'accord? Donc, ce que je vais vous recommander, c'est vraiment d'éviter de vous mettre la pression. C'est-à-dire, même quand vous faites des écarts, une fois que vous avez identifié votre péché mignon, même quand ça revient parce que c'est devenu une très mauvaise habitude, c'est déjà dans votre quotidien, ça ne sert à rien d'engager une bagarre ces habitudes-là, une bagarre qui sera un peu challengeant et brutale, une bagarre que vous n'allez pas tenir sur la durée. Non, n'allez pas dans sous cet angle-là. Allez plutôt dans l'optique de vous dire, bah, le jour où je suis vraiment dans le truc et que je ne tiens pas, je vais faire mon péché en pleine conscience. D'accord? Parce que j'appelle vraiment à votre conscience ici. OK? Mon truc, c'est ça, mon péché mignon. L'envie est là. J'arrive pas à ne pas en prendre parce que l'habitude est restée. L'envie me prend par les tripes. Donc, je vais le prendre en pleine conscience. Je vais me poser. Je vais prendre mon jus. Mais vraiment en pleine conscience. Ça me permet finalement de pouvoir rattraper le coup rapidement. Parce que non seulement quand tu prends, tu évites de te culpabiliser. D'accord? Tu évites de te culpabiliser, de te plonger dans un sentiment de culpabilité qui va naturellement te conduire aux sécrétions des hormones de stress. Ça va t'amener à stresser. Donc, ce que tu dois faire, c'est de ne pas culpabiliser, de prendre conscience que, oh là là, finalement, j'ai fait l'écart, je n'ai pas pu tenir. Bah, il faut que je fasse quelque chose. Et parmi les choses que tu peux faire, c'est vraiment, comme je vous dis toujours, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà l'habitude d'intégrer des journées monodiètes dans leur aliment, dans leur semaine. Moi, je vous dis toujours, vous pouvez faire choisir tout au long de la semaine d'avoir 2 jours où vous faites un peu comme vous voulez. C'est ça le rééquilibrage alimentaire. Le rééquilibrage alimentaire, c'est pas quelque chose qui vous bloque dans un truc et que vous devez comme un régime où vous devez absolument anéantir ça et parce que dans un bref délai, vous allez perdre ce poids. Non, on est dans quelque chose qui vous améliore la santé progressivement. Donc, tu peux te dire, j'ai 2 jours de la semaine où, au final, je peux un peu me faire plaisir, je peux un peu sortir avec des amis, je peux un peu me permettre certains petits écarts, mais dans la semaine également, parce que tu le fais en pleine conscience, tu sais que j'ai également 2 jours où, en fonction de ton niveau d'écart, un jour ou 2 jours où je vais peut-être respecter une journée totalement monodiète. Ça, c'est ton régime alimentaire, toi, ça, c'est ton protocole à toi, ça, c'est ton plan d'action à toi, d'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui intègrent systématiquement la monodiète dans leur alimentation? Est-ce qu'il y a des gens qui intègrent systématiquement la monodiète dans leur alimentation?
Okay? D'accord? Parce que c'est très important. C'est très important. Bon, du coup, tu te dis, par exemple, dans la semaine, j'ai mes 2 jours où je suis vraiment freestyle. Et puis, il y a dans la semaine, j'ai aussi 2 jours où je dois vraiment aller sur quelque chose de monodiète. Ça me permet d'assainir, de nettoyer, d'enlever tout ce que j'aurais accumulé. Et voilà. Et le reste du jour, tu vis ta vie normalement. Non, pas du tout. Je ne sais pas. Voilà. Donc, t'inquiète, ne fais pas de monodiète. Ne t'inquiète pas, cœur de Marie, tu dois entrer dans une séance de travail avec moi dans quelques jours. Donc, tu sauras davantage et ce sera même très pratique pour t'aider pour un résultat beaucoup plus efficace. Donc, voilà un peu. Il faut vraiment intégrer ces éléments-là parce que quand on mange ces trucs-là sans être dans une pleine conscience, c'est à ce moment-là que les choses s'installent et on a du mal après parce que les choses s'installent et s'empilent et après ça devient difficile. Mais quand on le fait en pleine conscience, on sait déjà d'office qu'aujourd'hui, je me suis lâchée, donc je dois faire le nécessaire derrière pour pouvoir rattraper le tir. D'accord? Une fois que tu es dans ça, tu n'es plus dans la culpabilité, tu es dans je l'ai fait et j'ai rattrapé. Je l'ai fait et j'ai rattrapé et ta vie de ton le cours de ta vie redevient normal et tu n'es pas sujet de stress en permanence parce que tu aurais mangé quelque chose qui n'était pas peut-être dans ton planning, vous voyez un peu. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Donc, après, quand tu as ton planning, comme on appelle ta monodiète intégrée dans ton alimentation, tu te sors un journal de bord. Un journal de bord qui va partager ta journée sur une période. C'est-à-dire que tu te dis, bon, toute cette semaine, je vais avoir un journal de bord avec moi. Je vais avoir un document qui me permet de noter toutes mes envies, de noter tout ce que je prends dans la journée, d'accord? De noter tout ce que j'arrive à prendre dans la journée et de pouvoir même. Il y a des patientes qui arrivent même à expliquer l'état d'esprit qu'elles ont au moment où elles ont envie de consommer ce qu'elles consomment. Par exemple, si tu es une qui aime les grignotages, qui aime les grignotages, qui aime grignoter et qui aime sucrer, quand cette envie commence à s'installer, tu es dans un état d'esprit particulier, tu notes ce que tu ressens, tu notes le sentiment qui vient. Tu notes le ressenti, tu notes cette envie, tu notes la pression que l'envie a sur toi et tu notes ce que tu prends derrière pour satisfaire cette envie-là. C'est très important. Tu notes parce que quand tu prends ça, dès la première prise, comment tu te sens? Ou alors, est-ce qu'il va falloir que tu partes sur 2, 3, 4 prises pour pouvoir finalement ressentir que tu es vraiment en train de résoudre le problème? Ou alors, dès la première bouchée, tu sens déjà que les choses se passent plutôt bien. C'est important de s'écouter, tu notes, et ça va nous permettre finalement de pouvoir mieux gérer notre rééquilibrage alimentaire. D'accord? Donc, non seulement tu dois identifier ce truc que tu fais et que tu sais que ça t'empêche d'avoir un très bon résultat, ce péché mignon qui est péché mais mignon en même temps, donc pas facile à laisser tomber sauf si on se fait violence. Et le deuxième élément, tu dois absolument intégrer, de faire une petite correction de ce truc-là, réadapter, tout en sachant que ton rééquilibrage alimentaire, tu dois avoir toutes les classes d'aliments, tu ne fais pas de restrictions d'aliments, tu vois juste en termes de quantité et de proportion, et surtout, tu respectes les horaires entre les repas, les écarts entre les repas, parce que c'est très important également. Et après, tu as au moins 2 journées monodiète, tu as 2 jours où tu fais un peu comme tu veux dans la semaine. Ensuite, tu as 2 journées monodiète. Quand je dis comme tu veux, hein, quand tu cherches à faire du bois, tu sais très bien que comme tu veux, ça ne veut pas dire que tu deviens. Voilà, c'est vraiment, on fait comme on veut, mais tout en restant raisonnable dans ce qu'on veut faire. Et ensuite, tu as 2 jours où tu es dans ta totale monodiète. Et voilà, tu as ton journal de bord qui te suit. Mais je t'assure que sur ça, sur une semaine, avec ce que je peux recevoir de ton journal de bord, je peux t'accompagner pour un résultat, mais alors tu sentiras même pas que tu es en train de perdre du poids. Tu sentiras même pas que tu es dans un programme, tu vois. Tu sentiras même pas que tu es dans un programme. C'est comme ça que tu vas aller crescendo sans être focus sur le poids et tu vas voir comment les choses vont se détacher. Tu vas rester apprécié comment ton corps se remet en place, te remet en place, comment ton énergie est là, comment tu n'es plus essoufflé au moindre effort, comment tu ne ronfles plus la nuit, comment tu te lèves avec le tonus, comment tes idées sont bien en place, tu réfléchis, tu as envie de faire des choses, tu aspires à quelque chose de meilleur.
D'accord? C'est très important pour moi, en tout cas, de te rappeler ça, parce que il faut, beaucoup de personnes veulent seulement apprécier le résultat sans apprécier le processus. Et quand tu commences à apprécier le processus, tu réalises que tu peux te féliciter parce que c'est des efforts que tu mets en place et c'est une santé que tu es en train de récupérer. Donc, tu peux avoir de la motivation pour te féliciter de réaliser que, ben, tiens, j'ai décidé, je suis passé à l'action et voilà qu'au bout d'une semaine, je ne ronfle plus. J'ai décidé, je suis passé à l'action, voilà qu'au bout d'une semaine, quand je cours, je ne suis pas étouffée. Voilà, c'est décidé, c'est parti, je me suis lancée. Voilà qu'au bout d'une semaine, je n'ai plus les jambes, je ne fais plus de très grosses rétentions d'eau parce que mes jambes ne sont plus totalement gonflées. Voilà, au bout de ceci, c'est important de pouvoir apprécier ça. Et là, ça vous donne de pouvoir avoir la force et surtout la motivation pour tenir sur la durée, les amis. D'accord? Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a Cœur de Marie qui dit, je vais commencer à noter mon alimentation dès aujourd'hui. Ok, parfait, parfait. Ce serait toujours un plus, en tout cas. Ce serait toujours un plus. Vraiment, sans te casser la tête, sans. Je voulais dire quoi? Tu le fais sans avoir peur de mettre tout. D'accord? Vraiment, parce que ne te dis pas, oh là, j'ai quand même mangé cette grosse plaquette de chocolat là. Est-ce que je vais mettre ça? Si je mets ça, ça va encore être fort. Non, tu mets tout. Dès l'instant où tu es en train de sucer un bonbon, sors ton cahier de bord, tu mets un bonbon. Vous qui êtes en Europe, là, un Haribo, un bonbon. OK? Quand tu es en train de prendre ton truc, donc tu sens le besoin du café, là. Tu dis, quand tu es en train de mettre tes deux morceaux de sucre dans ton café, là, tu notes que je viens de mettre deux morceaux de sucre. Parce que j'ai besoin que ce soit bien concis, bien sucré. C'est très important. Je sors par là en vous rappelant, vous pouvez commander votre part de thé qui joue en même temps bluegrass et détox. C'est-à-dire que vous avez le thé du matin, celui du soir, les deux parts, c'est pour une cure de 30 jours. Vraiment, on a ici un concentré d'infusion, de plantes biologiques. On a ici, voilà, l'essentiel pour vous aider à perdre rapidement du poids en profondeur. Tout est travaillé biologiquement. Et comme je vous dis, c'est de façon artisanale. Dans le paquet de 30 du matin, vous en avez 30 parce que vous avez un sachet chaque matin dans une tasse d'eau chaude. Et dans le paquet du soir, vous en avez 60 parce que vous avez besoin de 2 sachets par jour que vous mettez dans une bouteille d'eau, que vous remplissez dans une bouteille d'eau comme celle-là, dans 1 litre d'eau, et puis vous laissez infuser 1 heure de temps. Ça va bien s'infuser. C'est dans l'eau ambiante, on ne met pas dans l'eau chaude. Donc, vous mettez celui du soir dans une bouteille d'eau ambiante, à température ambiante, que vous laissez naturellement infuser pendant, si vous voulez, pendant 1 heure. Et après les 1 heure, vous allez avoir quelque chose d'assez pigmenté. Une boisson, l'eau va être très pigmentée par la couleur de tes infusions parce que le principe actif va à ce moment-là se déverser dans ton eau et colorer ton eau. Et tu vas boire ça après, entre ton déjeuner et ton dîner. Donc, si tu déjeunes à 14h, donc entre 14h et ton heure de dîner qui est 20h par exemple, si tu déjeunes à 14h et tu dois dîner à 20h, entre 14h et 20h, tu prendras ta boisson comme ton eau. Donc, tu finiras ta bouteille d'eau. Quand tu as soif, c'est ça que tu prends. Ou tout au moins, tu sais que tu as ta boisson que tu dois prendre avant de passer au dîner le soir. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. Je suis pas totalement, vous savez, quand j'ai un enfant, même si c'est une égratignure qu'elle a, je suis pas totalement moi. Donc, j'ai toujours le sentiment de vouloir être avec elle. Donc, je suis un peu maman poule. Mais bon, ça va passer. Donc, je vais courir pour aller gérer ma fille qui est votre fille également et prendre un peu du temps avec les autres. Et donc, on se dit à la semaine prochaine, à lundi pour notre prochain live. Ce sera lundi. Demain, c'est dimanche. D'ici à lundi, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup, beaucoup de gratitude surtout, et de la gratitude pour ce que vous avez déjà actuellement, et de la gratitude pour la vie que vous avez, parce qu'il y a beaucoup comme vous qui auraient voulu être là pour écouter ce live, mais qui sont dans les hôpitaux, qui sont couchés qui sont
parfois dans des morgues, qui n'ont pas pu être là, qui sont partis un peu plus tôt. Mais aujourd'hui, vous êtes là, vous avez la possibilité de regarder ce live, d'enregistrer, d'avoir un téléphone pour regarder la connexion Internet et dire bénissez l'Éternel pour ça. Rendons grâce à Dieu et de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Ça va vous donner la force pour en avoir plus. D'accord? Ça va vous donner la force pour en avoir plus. Tant que vous n'appréciez pas le peu que vous avez, il est difficile de pouvoir avoir encore plus. Donc, gratitude, gratitude, gratitude encore. Dis merci, c'est appeler que ça revienne pour plus tard. Donc, quand tu dis merci, tu ouvres la porte pour recevoir davantage. Donc, dis merci à la vie que tu as. Dis merci aux enfants que tu pour les enfants que tu as. Dis merci pour toi qui peux manger aujourd'hui, qui peut choisir ton repas, parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix, qui mangent ce qu'ils trouvent, même si c'est dégueulasse, parce qu'ils n'ont pas le choix, n'ont pas d'autres possibilités. Donc, dis merci pour cette possibilité que tu as encore de choisir, de te lever, d'aller à la boutique, de t'acheter un truc que tu veux ou pas, voilà, de te faire plaisir. Dis merci pour ça, parce que ce n'est pas donné, d'accord? Dis merci pour le souffle de vie, dis merci pour la santé que tu as, d'accord? Dis merci pour la santé que tu as, pour la pleine forme que tu as, parce que beaucoup aimeraient pouvoir au moins être encore comme toi, même si tu es en obésité, tu es encore là, tu respires encore, tu marches encore, tu bouges encore. Beaucoup aimeraient être comme toi, mais qui sont condamnés quelque part dans des salles d'hôpitaux, sous oxygène, sous tout ce qu'on espère pas arriver à avoir ça un jour. Donc, gratitude, et je rends grâce au Seigneur pour nos vies, je rends grâce au Seigneur pour vous qui m'écoutez constamment, et qui partageait également ce live pour édifier davantage de personnes, d'accord? Donc, que la semaine, que le week-end se passe plutôt bien, finisse plutôt bien, et que lundi, on se retrouve encore là, encore plus en forme, encore plus déterminé pour avoir ce dont on désire le plus, pour être heureux et épanoui. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao, ciao.